Bonjour les amis, eh bien écoutez, il commence à faire un peu frais ici, c'est-à-dire que ce matin je n'irai pas nager, mais par contre je me promène un peu au soleil dans mon jardin. Alors c'est une des rares fois où je le fais, je ne sais pas si ma caméra sera suffisamment stable, c'est quand même relativement lourd, et je suis allé voir mes oiseaux que vous voyez partout. Alors, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon cancer, eh bien écoutez, pour l'instant, tout va bien. Je vais essayer de tourner juste un petit peu pour que vous puissiez voir mes voisins. Vous voyez, là, vous devez certainement les voir. Voilà, alors ce sont des espèces d'oiseaux que je ne sais pas d'où ils viennent, mais paraît-il que ce sont des oies d'Égypte. Mais ça, je ne peux pas vous le confirmer. C'est ce que l'on m'a dit. Et voilà, j'ai comme ça des habitants dans mon jardin, de tous les côtés. Alors, les examens à venir, eh ben, j'ai toujours pas mes examens. Là, il y en a un qui est juste à côté de moi. Il vient me dire bonjour, regardez. C'est fou, hein? Je suis entouré de ces bébêtes. Salut toi! Salut! En tout cas, ils sont pas farouches, vous voyez. Comme je ne les embête pas, eh ben ils n'ont pas peur. Alors, ah, maintenant ils se disputent là-bas. Et voilà, c'est comme les hommes, hein, ça se dispute. Alors, ça continue ma petite balade. Alors maintenant, là, je vois devant moi, mais c'est un trop grand angle. J'ai trois écureuils qui courent dans tous les sens. Je vais essayer de me rapprocher par là-bas. Et ben, écoutez, ma vidéo cancer, elle est foutue. Mais c'est dimanche, hein, alors repos. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, les amis. Là, il y a plein d'écureuils dans les arbres. Voilà, là il y en a un petit contre l'arbre. Alors un qui vient de courir. Voilà. Là-bas il y en a deux. Ici. Voilà, là-bas au pied de l'arbre, il y en a encore un autre. Si j'avance un peu, il y en a un dans l'arbre. Ici, mais comme c'est un très grand angle, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, il vient de grimper. Et maintenant, tiens, encore un oiseau. Bonjour toi. Et ils sont pas farouches, hein. Alors, vous voyez, c'est bien plaisant. C'est bien plaisant. Et je vais aller par là pour essayer de voir encore un oiseau qui arrive. Vous voyez, dans les arbres, regardez, ça pousse sauvage. Ça s'accroche dans les arbres, ces espèces de plantes. Encore un oiseau. Ici. Là-bas, je ne sais pas si vous les voyez, il y a trois écureuils qui courent. Et là, il y a encore des oiseaux. Et sur le toit.
Et sur le toit, il y en a toute une kyrielle qui font un bruit d'enfer. Et quand on entend du bruit là en haut, ben, ou c'est des écureuils, ou c'est des oiseaux. Je ne sais pas si vous le verrez, il est perché là en haut dans l'arbre, un écureuil. Ici, il y en a un second. Vous voyez? Et là, celui-là, il descend. Et le voilà. Voilà. Et alors vous voyez à quoi je m'amuse. Je passe une partie de mon temps à me promener dans mon jardin avec mes appareils de photo pour faire des gros plans de tous ces oiseaux. Et ben voilà les amis, lundi, je vais probablement avoir mes rendez-vous pour... J'ai une prise de sang le 29, mais avant, vous le savez peut-être, je devais avoir des radios pour savoir si j'ai quelque chose à l'aine et dans le bras, près de mon muscle qui est relativement douloureux. Et ben voilà les amis, je pense... que cette vidéo ne sera pas très intéressante, sauf pour les amoureux de la nature. Et je retourne chez moi. C'est dingue, hein, les oiseaux, hein, le bruit que ça fait. Hier, si j'ai fait la vidéo à l'intérieur, c'est qu'il y en avait, mais vraiment une tribu. Et donc, il m'était absolument impossible, avec le bruit, de faire ma vidéo à l'extérieur. Et comme j'aime pas les chasser, eh ben je leur fiche la paix. Et voilà. Et me revoilà chez moi. La piscine, il fait froid. Et donc c'est terminé pour l'instant. Elle n'est pas chauffée. Bon, j'ai pas tellement envie de la chauffer. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et que dire de plus, c'est dimanche, je vais passer la journée tranquille à me reposer, les amis, à me reposer, à ne rien faire du tout, hormis préparer mes jouets pour aller les 12 jours début décembre aux Bahamas où mon ami Eric nous a invités dans sa superbe maison. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, à demain certainement. Merci, au revoir les amis.